Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran. Donc ça nous aidera à débloquer l'XP sur cette map et quand on aura l'XP sur cette map, on pourra vous proposer de meilleurs glitches d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc merci à tous ceux qui se connectent tous les jours sur cette map et le code de la map sera en description et en commentaire épinglé. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous aident à débloquer l'XP. Alors, le code du glitch d'aujourd'hui est le 1 5 2 5 3 2 7 7 3 7 4 7. Donc voilà, vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Et il faut savoir que le code s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options. Vous allez dans Menu et là, vous allez lancer le jeu. Et à partir de maintenant, vous allez attendre 10 minutes. Donc ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes. Donc là, on va cliquer sur Yes. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes, mais voilà, c'est un petit conseil que je vous donne pour gagner plus d'XP. Mais si vous n'avez pas le temps, vous faites le glitch directement pour gagner des XP. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc moi, je vais tout simplement attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Et ensuite, je vous présente le glitch. Donc à tout de suite. Ok, donc là, j'ai bientôt terminé les 10 minutes d'attente. Voilà, parfait, là j'ai terminé les 10 minutes d'attente. Donc maintenant, ce que vous allez faire pour réaliser le glitch, c'est d'aller près du bouton code créateur juste ici. Et vous allez construire 1, 2, 3, 4, 5 rampes, comme ceci. Et ensuite, vous allez créer, construire 5 palas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous les construisez en zigzag, comme moi j'ai fait. Ensuite, vous allez sur le cinquième plat. Et là, déjà, ça va vous donner des XP sans rien faire en illimité. Donc là, je gagne 90 toutes les secondes. Donc, c'est déjà pas mal. Et ici, vous avez un bouton interagir. Donc, vous interagissez avec le bouton qui est au coin supérieur droite. Là, vous arrivez dans l'aéronef. Donc, ici, il y a un écran rouge. Vous regardez de l'autre côté, là où il y a le logo. Vous sautez. Voilà, vous atterrissez en bas. Ensuite, là, il y a deux boutons. Donc, déjà, on va regarder combien d'XP j'ai. Ok, donc je suis niveau 19, il me reste 9000 XP. On va voir combien de niveaux je vais gagner. Niveau 19. Donc là, je vais interagir avec tous les boutons. Hop, j'interagis, donc je spam. Hein. On va interagir avec celui-là aussi. Donc là, il y en a deux. Ensuite, il y en a un qui est juste ici. Voilà. On interagit, donc vous spammez, hein, vous spammez un petit peu. Quand vous voyez que ça vous donne plus d'XP, vous arrêtez. Donc voilà, regardez, là ça me donne plus d'XP. Donc là, j'arrête. On est déjà niveau 20. Donc on a gagné un niveau déjà. Donc là, on remonte en haut. On va en haut, là où il y a le logo. Juste ici, en dessous du logo, près du lampadaire, il y a un bouton interagir. On interagit avec. Voilà. Ensuite, il y a un bouton à gauche et à droite. On interagit avec. Ah, il était là. Hein. Il était là. Ah. Attendez. Je le vois, il apparaît. Ah ben... Ouais, attendez parce que... Ah voilà, il est là, donc vous interagissez avec, hop. Parfait. Ensuite, vous allez en dessous de l'escalier. Là, vous avez un autre bouton. Vous interagissez avec, boum. Parfois, ils disparaissent, parfois, ils disparaissent pas. Ensuite, vous montez les escaliers, là, ici, près de la lampe, il y en a un. Vous interagissez avec. Et le dernier, il se trouve ici, au-dessus de la porte. Vous interagissez avec, et là, ça va vous donner encore de l'XP. Donc là, je vous ai montré, je pense qu'il y a un total de 10 boutons, si je ne me trompe pas, qui vous donnent un peu tous des XP. Donc là, j'étais niveau 19, donc je suis niveau 22. 22 avec 27000 XP. Donc ça m'a rapporté plus ou moins 3 niveaux en un seul glitch. Donc quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre option, menu, et vous faites réapparaître. Parce que en fait, c'est pas terminé. Il y a d'autres possibilités de gagner plus d'XP. Donc pour gagner plus d'XP, vous revenez ici, hein, vous réapparaissez. Et vous allez dans l'XP Shop qui est à côté de la cabine d'essayage, juste ici.
vous interagissez avec le bouton, vous arrivez ici. Et là, vous avez déjà un bouton que vous pouvez ici spammer. Donc, si vous avez un autocliqueur, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Ou alors, si vous n'avez pas d'autocliqueur, d'autocliqueur, bah vous spammez manuellement. Hein. Voilà, si vous n'avez pas de strike pack, rapid fire et tout ça, il faudra le faire manuellement. Alors ici, vous avez trois serveurs que vous allez pouvoir casser. Donc, je vais les casser pour voir combien d'XP ça va en rapporter. Ok, donc là, j'ai bientôt fini de détruire le premier serveur. Celui-là me rapporte 6420 XP. Donc, on va casser le deuxième. Hein. Quand vous collez au serveur et que vous mettez bien votre analogue, ça permet de taper tout le temps dans le point faible pour infliger plus de dégâts. Donc, essayez de vous mettre, de bien vous placer pour à chaque fois taper dans le point faible. Donc là, je vais casser le deuxième pour voir combien il va me rapporter. Ok, donc celui-là va me rapporter 7300. Donc on va casser le troisième, le dernier, pour voir combien ça va me rapporter. Ok, donc là, j'ai bientôt fini de casser le troisième. Et celui-là me rapporte 9100 XP. Alors maintenant, vous avez un bot ici que vous allez pouvoir tuer en illimité. Et chaque fois que vous allez le tuer, ça va vous rapporter des XP. Donc là, ça me rapporte 210 XP. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre un élastique sur votre touche tirée pour que votre personnage tire en illimité et tue le bot en illimité. Donc ça vous permettra de gagner des XP sans rien faire en AFK. Donc ça, c'est une solution. Alors il y a une autre solution ici avec le rebondisseur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une rampe. Ensuite, cette rampe, vous l'inversez. Voilà, pour que ça fasse ceci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez vous diriger comme ceci. Bon, on va essayer de bien se mettre pour pas que ça fasse bugger le truc quand même. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez rebondir sur le rebondisseur, vous allez gagner des XP. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre comme ça. Ensuite, vous activez votre bouton tactile pour que ça enclenche la course automatique et que ça vous fasse gagner des XP en illimité. Vous pouvez regarder en haut à droite, mes XP sont en train de diminuer tout seul. Donc, c'est une autre technique pour gagner des XP en AFK sans rien faire. Donc, voilà. Alors ici il y a un autre bouton que vous allez pouvoir actionner uniquement si vous avez attendu 10 minutes dans la map. Vous ne pourrez l'actionner qu'une seule fois et ça prend 30 secondes pour l'actionner. Donc on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Ok, donc là ça me rapporte 10 000 XP. Donc voilà, ça c'est une autre variation hein, du glitch. Voilà, c'est une autre possibilité de gagner des XP en illimité sans rien faire, enfin avec le bot, avec le rebondisseur ou avec un autocliqueur ici avec le bouton. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Si vous ne voulez pas venir ici dans l'XP Shop, ce que vous faites, c'est que vous recommencez le glitch en illimité. Donc vous appuyez sur option, vous arrêtez le jeu et vous recommencez le glitch que je vous ai présenté en début de vidéo en illimité pour gagner plus d'XP plus facilement et plus rapidement. Si vous voulez gagner des XP sans rien faire, vous tuez le bot ou vous allez rebondir sur le rebondisseur. Et si vous voulez gagner encore plus d'XP, vous pouvez utiliser la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé, qui vous rapportera 5 fois plus d'XP. Donc là, j'ai pris plus de 3 niveaux, hein. J'ai pris quasi presque 4 niveaux. Donc si je fais 4 fois 5, ça fait 20 niveaux. Hein. Donc si j'aurais utilisé la technique secrète pour faire ce glitch, là j'aurais gagné 20 niveaux directement en un seul glitch. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la technique secrète, elle sera en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir et préparer votre glitch avec la technique secrète pour gagner 5 fois plus d'XP. Après ça fonctionne sur Play, mais je ne sais pas si ça fonctionne sur d'autres consoles. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapping Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.